I've got this feeling. Hello les végans, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de marbré chocolat vanille, super délicieuse, parfaite pour les goûter. I see no reason. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Dans un saladier, versez le yaourt de soja, le sucre, l'huile, le lait végétal. Il faut étaler l'ensemble. Rajoutez la vanille, la levure chimique, le vinaigre. L'ensemble va mousser, c'est la réaction du vinaigre avec la levure. Enfin, ajoutez la farine et mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Dans un autre saladier, versez le yaourt de soja, le sucre, l'huile, le lait végétal. Fouettez bien l'ensemble. On ajoute le chocolat en poudre non sucré. Vous pouvez utiliser du cacao sucré, mais dans ce cas-là, il vaudra mieux diminuer la quantité de sucre. Ajoutez la levure chimique, le vinaigre de cidre et enfin la farine. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Dans un moule préalablement margariné et non pas beurré, hein, versez des couches successives de chocolat et de pâte vanille. Pour les gourmands, on n'oublie pas de lécher la cuillère. Bon, sans se faire mal au ventre parce que c'est pas très digeste non plus. On enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on passe à 180 degrés. Pour continuer la cuisson, encore 20 à 25 minutes. N'hésitez pas à faire le test du couteau pour contrôler la cuisson. Regardez-moi ce super marbré. Il est délicieux, moelleux, super goûteux. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien au quotidien. N'hésitez pas à reproduire la recette. Utilisez le hashtag La Petite Okara. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures véganes.